Eh bien, salut tout le monde, c'est MaxZ9709 en direct de l'avant de Adventureland pour cette vidéo de Dreams of Disney, de l'esquisse à la création. Voilà, et aujourd'hui je suis en compagnie de Mickey Mouse. Ah, bonjour les amis, c'est Mickey. Ah, voilà. Et je suis aujourd'hui en compagnie de MaxZ. Et vous l'avez reconnu. C'est le petit pain d'Orgators, le petit pain de Gata. Voilà. C'était pathétique comme voix, mais bon. C'était pathétique. Bah, comme d'habitude, tes intros sont pathétiques. Ta gueule. Voilà. Donc on se retrouve pour cette vidéo après une longue absence hein, pour cette vidéo de l'esquisse à la création, pour cette série. Cette série, voilà. Merci de finir mes phrases parce qu'il se fait tard. Voilà. Donc on est là pour les secrets qui vont être nombreux sur Adventureland. Hein. Voilà, très nombreux. Donc comme vous voyez, hein, eh bien, nous sommes à la porte de Adventureland. Voilà. Donc peut-être un petit briefing hein, sur qu'est-ce que c'est Adventureland et donc voilà. Vas-y mon cher donc, Max. Donc c'est un land hein, comme son nom l'indique et voilà. Donc les Imagineurs ont dû se poser vraiment une question par rapport à ce land parce que Adventureland c'est vraiment le symbole de l'exotisme et des pays lointains etc. Donc après ils devaient se poser la question qu'est-ce qu'est l'exotisme et les pays lointains pour les Français. C'est pour ça que on retrouve eh bien à l'entrée les bazars et le monde d'Aladin. Juste à côté, il y a aussi un espace qui rappelle les savanes africaines, du côté de Hakuna Matata, etc. Ensuite, nous avons aussi les pirates et l'île du Nord qui évoquent les Caraïbes. Ensuite, nous avons l'île du Sud avec l'arbre des Robinson hein, que nous aborderons plus tard. Et enfin, donc qui aborde la Polynésie. Et enfin, bah, le temple d'Hyperil qui... La savane qui... Non, l'Indochine. C'est pas grave. Mais bon, t'as tenté, mais t'as perdu. Voilà, j'ai tenté, voilà. Donc, c'est un peu pour ça que donc, c'est ce qui évoque chez les Français bah, l'exotisme et ce qui évoquait chez les Imagineurs le plus l'idée de exotisme. Représentatif du continent africain en général. Pas que africain, mais l'exotisme, surtout, les pays lointains, etc. Ah, voilà. Mais les pirates, c'est pas africain, excuse-moi. Mais... Voilà. Pinder adore les Africains. Ouais, oui. voilà, donc sur ce, nous allons commencer par là. Alors, le premier secret est tout bête, c'est ici. Sur le serveur, ça ressemble pas à grand chose. Voilà, mais ça, c'est un œuf. Et oui, c'est un œuf géant. Donc, c'est un œuf géant qui se trouve au sommet d'une tour. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette tour. Hein. Et on peut, bah, du coup, s'imaginer la taille de l'oiseau qu'il a pondu. Je vous mettrai la photo. Bon, sur la photo, il y a un petit pigeon, ça fait un petit peu dissident. Voilà, j'ai réussi à le placer dans la vidéo, je suis content. Donc cet œuf, c'est la référence à l'un des contes des Mille et Une Nuits, dont il est question d'un œuf d'oiseau géant, voilà, donc la référence. Et je n'ai qu'une chose à dire, la pauvre bête qui a pondu ça. Exactement, voilà. Donc en parlant des Mille et Une Nuits, le bâtiment que vous pouvez apercevoir là, eh bien, il fait référence, et oui, parce que... Quand on regarde toutes les fresques qu'il y a, eh bien, ça fait référence au conte des Mille et Une Nuits, avec aussi toutes les girouettes sur les toits et les créatures fantastiques et dessus de ces contes, voilà. Et les petites coupoles en or qui exactement. Sont majestueuses épreuves de richesse. Les petits détails, tous les petits détails. Tous les petits détails, c'est dissident. Voilà, moi aussi je l'ai placé, je suis content. Donc on va continuer par l'entrée et par la porte, voilà. Exactement. Alors, d'abord je vais aborder le petit détail sur la porte ici. C'est très bête, mais c'est très intelligent. En fait, comme vous pouvez remarquer sur l'image que je vais mettre actuellement, eh bien, il est marqué sur ce portail, hein, sur cette entrée, eh bien, il y a marqué WDI, qui signifie tout simplement Walt Disney Imagineering. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à ceux qui ont construit et qui nous font rêver à chaque fois que nous allons à Disneyland Paris. Voilà. Exactement. Donc nous continuons après avec le lustre, le magnifique lustre de ce bâtiment. Hein. Veux-tu que je raconte l'histoire de ce lustre? Si tu veux, Pernet. Alors, c'est très très simple. Ce lustre, en fait, a été offert au parc Disneyland par un prince des Émirats. Donc voilà. Un Maharaja. Hein. Un Maharaja, voilà. Voilà. Donc il a été offert au parc Disneyland Paris. Donc c'est un lustre en or hein, qui a été offert par le roi Hassan II au Maroc, voilà, donc pour les plus de précisions. Hein. Et c'est le principal actionnaire de Disneyland Paris, il faut le savoir. Voilà. Donc. Et donc aussi pourquoi? Eh bien les bancs que vous pouvez apercevoir juste en dessous ont été placés là tout simplement pour éviter la maintenance du parc de passer à cet endroit là avec les camions. Parce qu'une fois il s'avère qu'un camion de la maintenance et de nettoyage etc. a voulu eh bien... passer à cet endroit là, c'est pour ça que le lustre a failli être arraché et donc pour éviter tout autre incident et donc risquer d'abîmer ce lustre vraiment mémorable dans les mémoires et dans les surtout souvenirs. D'un prix
énorme, d'un prix inestimable, voilà, ils ont exorbitant. choisi de mettre des bancs à cet Voilà. emplacement. Voilà. Car ils préfèrent préserver que repayer, tout simplement. Et bah surtout, je pourrais pas repayer ça, c'est surtout. Voilà. Ouais. Donc là, nous avons la petite musique d'ambiance. Actuellement, il y a le son qui bug totalement. Avec, voilà, avec le je le remets. Vous pouvez télécharger dans le truc du serveur, dans le ressource pack du serveur. Voilà. Je vais le repêcher. Voilà, va à la pêche du chien. Voilà. C'est bon, j'ai le son tout bête. Nickel. Normalement, voilà. Donc, ensuite, nous pourrions parler de cette boutique, eh bien, que nous n'avons pas encore fait sur le serveur, mais ça va sûrement pas tarder, parce qu'actuellement, on est en train de faire beaucoup de boutiques, voilà. Non, et puis, oui, on a un constructeur, Nactus64, qui est en train de réaliser Frontierland et qui s'attaque aussi aux boutiques. Et donc, on le remercie beaucoup, parce que c'est lui qui nous a fait une grande partie d'Adventureland. On va en parler par la suite, quand voilà, on donc, hashtag, bravo. Dans ce land. Déjà, hashtag GG. Nactus, GG, beau gosse. Donc, voilà. Dans ce magasin, dans la girafe curieuse, eh bien, vous avez une girafe, comme vous allez voir sur l'image, qui est à l'intérieur et qui semble en train de manger des feuilles, donc en train de brouter tranquillement. Elle est en train de D'où brouter. Son nom, girafe curieuse, hein, parce qu'elle est curieuse, elle rentre dans le magasin. Et qui est curieuse. Voilà. Bah, et mal voilà. placé. Ah là là. Ensuite, de ce côté-là, vous allez pouvoir apercevoir le bazar avec son restaurant, l'Agraba Café. Magnifique voilà. restaurant, buffet à volonté. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend pas R14. Voilà, donc oui, je parlais dans cette Agraba Café, vous avez un buffet à volonté, vous pouvez découvrir toutes les saveurs de l'Orient. C'est magnifique, c'est génial, allez-y, gros, allez-y vite, allez-y manger, voilà, il n'y a pas de mots qui définissent tout ce qui est succulent, les pâtisseries, le couscous, la tagine, etc. Voilà, allez-y. Tout ce qui tout caractérise pas R14, comme vous voilà, pouvez l'entendre exactement. Maintenant, attention. Ça s'appelle de l'autodérision. Silence. Salam alaikum, mon frère, comment va-t-il? Ma famille et tout. Donc, et voilà, c'était Panair 14. Voilà, c'était juste avant Max, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il faut parler du hashtag on va bien les niquer, qui sortira bientôt. Donc, petite bande-annonce. Donc, on me dit dans l'oreillette. Totalement inutile dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Non, mais on m'a dit qu'il fallait le placer. Peu importe. Donc, je le sais. Donc dans cette, justement, dans ce restaurant, vous pouvez apercevoir en haut eh bien, un plafond, tout simplement, qui semble avoir été visé par de nombreux... comment ça s'appelle, sabres, voilà, qui sont actuellement plantés au plafond, comme vous avez vu sur la photo, voilà, voilà. Donc ça rajoute un peu de détails, tout bête, tout bête, tout bête. Magnifique. Donc on va pouvoir continuer, hein, alors, continuer dans les détails. Petit à petit, vers le monde de l'Orient, et on va se diriger vers l'herbe de Robinson. Voilà, et plus particulièrement légèrement à côté, puisque d'abord je vais aborder une petite embarcation, voilà. Qui se trouve juste là-bas. Un petit juste bateau. Juste là, juste là. En attendant, vous pouvez voir ce magnifique arbre. Et ce magnifique land qui est Aventureland, un des lands les plus fleuris du parc, je crois. Fleuri et boisé, je dirais. La végétation, voilà. Ouais. Plus très boisé. Voilà. Donc, cette embarcation qui se trouve là-bas, eh bien, c'est une embarcation à moteur qui se trouve à côté de Cool Post. Et donc c'est une réplique du film Africa Queen de 1952. Et depuis peu, vous pouvez apercevoir les personnages de là-haut. Voilà. Voilà. Petit donc, détail. Oui, comme on venait de me dire et que tu viens de citer dans l'oreillette, on me disait qu'il fallait parler des personnages de là-haut qu'on voit qui sont voilà. maintenant Tu viens de juste répéter ici. Ce que je viens de dire. C'est oui, très parce intelligent. Qu'on vient juste de me le répéter dans l'oreillette. On n'en a rien à foutre. Oui, je précise. C'est pas grave. On continue avec la glacière. Alors, une petite glacière qui se trouve exactement à cet emplacement-là. Alors, je vais vous montrer ça en vidéo tout de suite. C'est parti. Et donc, voilà, vous avez entendu bien la radio, hein. Avec la glacière, pas très voilà. loin. Donc la glacière de quand on l'ouvre, on entend un verre de soda qui est en train de s'être versé. Donc c'est très bizarre. Et un la radio coup. Que vous avez vue, hein, donc c'est la radio qui semble mal réglée, hein, qui diffuse des sons très étranges. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc on va continuer juste à côté avec le Indian Jones Outpost, hein, où voilà. juste là vous pouvez apercevoir une cage où à l'intérieur, eh bien, il y avait une sorte de tarentule. Hein, moitié monstre. Bébête, hein, il y a marqué ouais. ça, tarantula dessus, comme vous allez voir sur l'image, qui n'est plus là du tout. Donc c'est très bizarre. Elle semble être évadée. Voilà. Donc on continue à côté avec le
Colonel Atty's Restaurant. Ah, Donc, donc c'est une pizzeria. une pizzeria, voilà, spécialisée dans la pizza et les pâtes. Et les Donc, pâtes actuellement, ça s'appelle Italia. Colonel Atty's, hein, sauf qu'avant, eh bien, c'était appelé le Explorer Club, comme on peut voir sur l'image actuellement, parce que on voit encore des symboles EC, voilà, avec Explorer Club. C'est un peu le même truc qui s'est passé avec Space Mountain, avec le DM qui est devenu Space Mountain, voilà. Voilà. Et on en retrouve des vestiges, des noms qui Petit changent comme ça. changement de nom, voilà, comme ça. Et je tiens à vous préciser que pour le moment, il est fermé sur le sort, mais il va réouvrir très très bientôt. Voilà. Voilà. Donc on continue du côté de Indiana Jones, c'est le temple du péril. Voilà. Donc on s'y dirige actuellement en réhabilitation par toi-même. Voilà, c'est ça. Parce que je viens de le faire en IRL. Voilà, je Ouais, précise. juste au lendemain de sa réouverture, tu l'as fait Le le jour jour de même sa de ça. réouverture, voilà. Le jour même. Donc en fait, au sol, vous pouvez apercevoir comme sur les images que, eh bien, les Imagineers ont voulu donner un aspect un peu habité, hein, de ce land, en plaçant sur le sol bah, des traces de pas de lions, hein, et de bêtes, de panthères, hein, voilà, et aussi de feuilles un peu préhistoriques, voilà. Donc c'est un peu au lieu de garder du béton, hein, tout bête, et bah ils rajoutent des effets au sol. C'est un peu le même système que à Frontierland où on rajoute des fers à cheval, ou un peu le même système Ou que. dans Toy Story Playland, les grandes empreintes sur le sol. Voilà, exactement. Donc c'est donner l'impression vraiment de marcher sur autre chose que du béton. C'est par exemple, c'est comme dans Big Thunder Mountain où bah, on marche sur du béton, mais on a l'impression de marcher sur du bois. Voilà. Voilà. En gros, ça s'appelle l'œuvre de l'illusion. Exactement, On exactement. parlera d'une autre illusion très importante juste après. Eh bien, si tu veux, nous pouvons l'aborder tout de suite. Bah, si tu veux qu'on l'aborde directement, je vais vous parler du coup du bateau Pendant juste que en face je m'y de rends. Skuldrog, donc je te laisse t'y rendre. Donc petite anecdote, vous pensez sûrement que ce bateau est en bois, en chêne massif. Et non, en fait, il est constitué entièrement de résine. Et il a été Bon, je précise réalisé pas entièrement. en grande partie. Ils sont en train de remplacer de plus en plus par de la résine. Alors, non, en fait, je continue de préciser. C'est juste qu'en fait, tout ce qui peut être touché par l'homme est en vrai bois, et tout ce qui ne peut pas être touché, donc tout ce qui ne peut Voilà, pas être est en touché, est résine. en résine. Voilà. Tout ce qui peut être touché, c'est pour rendre l'illusion encore meilleure. Voilà. Donc voilà. Donc non, c'est l'inverse. Ce qui ne peut pas être touché est en bois. Non, c'est pas ça. Et si, si, c'est Non, l'inverse. non, Ah si, si, je suis non. désolé, on Non, me dit dans l'oreillette, c'est l'inverse. non. Ah, non. C'est l'inverse. Non. Ah, je suis sûr, c'est l'inverse. Eh ben non. Et bah, pour ça, petite ellipse vérification. Et re tout le monde! Voilà, donc nous avons la Voilà. réponse grâce à En la gros, donc, vidéo. je vais m'exprimer sur ce Enfin, d'ailleurs, je vais te petit, voir. voilà, ce petit couac. Donc, je vous explique, en fait, chers viewers et chers fans de Esquisse à la création, et chères personnes qui sont passionnées de Disney et qui ont dû se dire, putain, il connaît rien à Disney celui-là, voilà, excusez-moi de mon langage, mais je me permets. C'est très simple, car je ne connais pas tout sur Aventureland, car c'est un land que j'affectionne pas forcément, mais qui est assez sympa. Et dans mon oreillette, en fait, j'entends un des directeurs qui est le petit bouc qui me donne toutes ses sources. Donc voilà, et c'est lui qui m'a dit que c'était l'inverse. Et du coup, bah bêtement, je le répétais, mais du coup, je m'excuse. Et c'est ce qu'ils peuvent toucher, c'est du bois, les guests. Ce que les guests peuvent toucher, c'est du bois. Et ce qu'ils ne peuvent pas toucher, est de la résine pour donner l'illusion et pour éviter que le bois soit rongé par les termites. Voilà, donc bah, je vais vous mettre la petite vidéo pour vous confirmer et je m'en excuse. Du galion en pleine réfection. Et le chef de chantier, petit entrepreneur établi dans la région, n'est autre que le père de la chanteuse Vanessa Paradis. Ici, on se trouve dans la cabine à l'intérieur du bateau, le ventre du bateau. On a refait toutes les structures pourries parce que le bois était un peu pourri. La restauration de ce vaisseau consiste à remplacer le bois par de la résine. Et la résine, c'est la spécialité d'André Paradis. On a donc mis au point une résine qui est souple. Ça a été moulé sur un véritable morceau de chêne sablé. Quand ça va être patiné, ça va ressembler totalement à un morceau de bois. Grâce à cette invention, toute la coque va être recouverte de résine, effet bois, qui résistera aux intempéries et à l'usure du temps. Et nous revoilà donc, mesdames, messieurs. Voilà. Donc c'est vraiment tout bête, hein, donc voilà. Donc ça a été réalisé par le père de Vanessa Paradis, qui est spécialisé dans la résine dans la région de Marne-la-Vallée, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Voilà, dédicace à Vanessa. Donc on continue avec l'arbre des Robinsons.
L'art des Robinsons, hein. Donc c'est en fait donc c'est les Robinsons qui, après un naufrage à bord de leur navire, que on peut apercevoir les débris, dont on Car peut pour ceux qui apercevoir ne les le savent débris. pas, les Robinson Crusoe ont été échoués sur une île déserte. Voilà, donc les Voilà, tout débris de simplement. leur bateau qui sont en face de nous là-bas, voilà, et ben ils ont récupéré à partir de leur épave le nécessaire pour construire Leur maison dans les arbres. leur maison dans les arbres. Et on retrouve à l'entrée de l'attraction et bien l'ancre, hein, qui a été propulsée jusque là-bas. Donc on voit la violence du naufrage entre la distance là-bas et l'entrée juste ici. Voilà. Voilà, donc ça Donc fait on un gros continue. boom. Et bien cet arbre a eu un nom spécifique de la part des Imagineers, puisqu'il a totalement été créé à la main. Et chaque feuille a été posée à la main. Il y en a plus de 300 000. Voilà. Et donc cet arbre a été nommé par les Imagineers le... Je ne sais plus. Eh bien c'est pas grave, le Disneyo-Dindron. Voilà, Voilà, Disneyo-Dindron, Odindron. Odindron, donc comme beaucoup d'arbres, hein, comme voilà, Mais Disney-Odindron, voilà. il y a juste un détail que Maj Rhododendron, etc. vient vers Disneyo-Dindron. moi et on va expliquer une petite anecdote à nos guests. Si un jour vous faites en gros l'arbre de Robinson et que vous postez en ma position et que vous regardez un peu en direction de Indiana Jones, partant très clair, sans aucun nuage et très dégagé, vous pouvez admirer la tour Eiffel. Voilà, donc au niveau du nid de pie, à 90 degrés sur la gauche, s'il n'y a pas trop de nuages, on voit la tour Eiffel, donc magnifique, hein. La prochaine fois, vous ferez attention. Voilà. What else? Nespresso. Non. Continue, continue. Oui. Alors, que je reprenne mes notes, voilà. Donc on va aller du côté de Pirates des Caraïbes, hein, si tu me Voilà, permets, Berner. POTC abrévié. Pirates of the Caribbean, Voilà. dont tu viens de sortir la vidéo. Voilà la vidéo qui sera déjà sortie au moment où toi tu sortiras l'esquisse de la création. On visite cette attraction qui a été mise en réhabilitation par toi-même et Mr. Case. Il y a de cela déjà 2-3 semaines, c'est ça? Oui, quelques temps quand même. Oui, parce qu'on a une légère absence, mais tout est expliqué dans la Bon, moi vidéo j'y vais présentation à de cette pied, attraction. parce que j'ai trop le Voilà. swag. Vas-y, Swagman. Et donc de ce côté-ci, vous avez normalement un stand que nous n'avons pas encore réalisé sur le serveur, parce que ce coin-là, faudrait qu'on le refasse un petit peu, parce que ça fait vraiment trop vide. Et bien ici, vous avez un stand qui est dédié à Coca-Cola, où vous voyez d'abord un coffre avec la serrure en forme de Coca-Cola, et aussi une tête de mort, comme sur la photo, avec des anses, donc la poignée en forme de bouteille de Coca-Cola, un petit clin d'œil à la marque. Donc je tiens juste à préciser s'il y a Coca-Cola sur la page, car Disneyland Paris a un partenariat avec la marque Coca-Cola. Et pour revenir à nous, notre tout nouveau partenariat avec Subway, voilà. Avec le Subway de quelle ville déjà, Max? Sur Rennes, voilà, donc Sur nous Rennes, voilà. Donc invitons si à vous y allez à aller Sur Rennes, nombreux. n'hésitez pas à accéder au Subway Sur Rennes. Donc il est en partenariat avec notre serveur. Voilà. Exactement, donc Pinder, je t'invite à nous rejoindre devant le fameux bateau qui a fait tant d'élocutions. Oui, les temps, les locutions, Voilà, juste en gros, ici. juste au niveau de School Rock. Un Skull Rock qui a été construit d'après le monde de Peter Pan. Donc, on va peut-être expliquer Imagination. School Rock pour les personnes qui connaissent pas de nom. C'est très très simple, en fait, c'est le crâne que vous pouvez Là-bas, derrière admirer moi. juste derrière Max, voilà, que vous visitez. Et c'est la partie qui a été construite par Nactus64, un de nos constructeurs qu'on parlait tout à l'heure, Grande dédicace à qui, lui. voilà, énorme dédicace à lui, il a fait un travail de malade et c'est tellement beau, il a un style de construction, c'est magnifique, enfin voilà, je le kiffe, je l'aime, hashtag on t'aime Nactus, vous pouvez sortir ça sur les réseaux sociaux, maintenant Twitter, Facebook. Par ailleurs, n'hésitez pas à liker notre page Facebook et follow notre page Twitter, voilà. Pinder, je t'invite à venir à côté de moi maintenant. Voilà, je me mets à côté de toi et je regarde dans ton sens, voilà. Voilà. Monsieur aussi. Voilà, et Tac. nous avons Allez, Poppy tout le monde Leader vient qui avec se tape nous. un Tout le monde. cruise. Oh, Là, ah, Jack tu me rentres Sparrow. dedans. Jack Sparrow, Voilà. c'est parti. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était Max Dead 9709, Pinder 14, pour cet épisode de Dreams of Voilà. Disney de l'esquisse à la création sur Adventureland. J'espère que ça vous aura plu après tant d'attentes. Voilà. Et ce méga fail sur Le bateau. le bateau pirate. Voilà. Donc, Voilà, dédicace à fail Vanessa dû à mon oreillette. Paradis. Voilà, le fail qui est dû à mon oreillette, le petit bloop. Donc, n'hésitez pas surtout à liker, comme Likez je la viens de dire, vidéo, la aimez vidéo, tout, à la salut. partager, etc., Voilà. etc. Et à très bientôt pour l'épisode 5 À d'Esquisse à très la bientôt, création. salut, bye bye. Salut, Hell à yeah. plus.